L'association Carlavande est née en 2007. Elle a, dans un premier temps, été une association du patrimoine puisqu'elle a créé la fête de la lavande de Barème. Et ensuite, à partir de 2010, on a changé complètement de braquet et on s'est dirigé vers le handicap pour sensibiliser le grand public à travers différentes animations. Le Téléthon depuis 2012. On a créé les journées Regards sur l'autisme et le handicap depuis 2016. L'Autisme Trail, l'Autisme Color Run, l'Handiville. Tout ça, c'est l'association Carlavande. La maison Carlavande, c'est quoi? C'est la mise en relation de ce qui existe dans le médico-social et dans le social au service des aidants, des aidés et des personnes handicapées. On essaie, nous, de fédérer, d'avoir un lieu où les gens pourront trouver les informations qu'ils cherchent, les aider sur le plan administratif. Et puis, ce sera un lieu où on va proposer des ateliers mémoire. C'est un lieu où on va avoir des groupes de parole. C'est un lieu aussi qui va accueillir un pôle autisme. Et puis, c'est un lieu aussi d'échange où on pousse la porte, on vient boire un café, on vient échanger. Carlavande s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire parce qu'elle est vecteur d'emploi, puisque nous avons actuellement 3 salariés qui travaillent pour cette structure-là. De ce prix-là, si on l'a, c'est d'abord pour nous une reconnaissance. Ça veut dire que le projet qui est mis en place et qui est installé à Digne est reconnu aussi par cette instance-là. Forcément, on l'utilisera pour la valorisation de toutes nos actions au sein de la Maison Carlavande, qui démarre et qui a besoin de visibilité. C'est une belle aventure humaine qui commence et qui conforte aussi notre projet de 2019, dans le sens où on ne s'est pas trop trompé, on va dire. Ça veut dire que le projet est cohérent, qu'il est utile aussi pour notre territoire.